Dans un désert, je serai pas longue. J'ai beaucoup à faire et je me suis dit, c'est mieux de, de toujours sensibiliser. En fait, il faut qu'on aille tout droit au but parce que je constate au moins je vous êtes en train de partager. Partagez au maximum, je vous en prie. Il y a un problème que nous avons, nous les Camerounais. Nous avons laissé le temps avec le temps passé Nous avons laissé le temps passer. Nous avons laissé les choses passer. Donc du coup, quand je vois des gens qui viennent s'asseoir sur la toile ou bien en vision pour dire qu'il faut rééduquer le peuple camerounais, moi je me dis, mais attendez, de, 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 de quoi parle-t-on? À quel moment on parle d'éducation? Il, dit, il parle de. Il faut éduquer le peuple. Il ne parle même pas de rééducation, il parle d'éduquer le peuple. Je me pose la question de savoir à quel moment est-ce qu'on doit parler d'éducation d'un peuple. Quand il y a l'urgence. Quand il y a l'urgence. Excusez-moi, hein, ça va blesser plus d'une personne, mais je vais vous poser la question. Je pose la question à ceux-là qui parlent de cette histoire de rééduquer un peuple, un peuple qui a faim. Vous êtes les premiers à savoir qu'on dit ventre affamé n'a point d'oreille. Vous voulez éduquer un peuple qui a faim. Et comment Un peuple qui a faim et soif de liberté. Seule la liberté, seule la liberté, peut donner tout ce dont on a besoin. Tant que tu n'es pas libre, c'est-à-dire quand tu as faim, quand tu as soif, quand tu manques de quoi te vêtir, quand tu struggles every day like slave pour survivre. Non, quelqu'un ne veut pas venir te parler de que il faut qu'on t'éduque, il faut qu'on te fassie ou ça. Excusez-moi, hein? ça va blesser ces gens. Ça va blesser ceux-là. C'est des aînés, je les respecte. Mais comprenez une chose. Où il fallait mettre la pierre angulaire, vous n'avez pas mis. Vous avez fait ce que vous avez fait à votre niveau. Ne sous-estimez pas ceux qui sont là aujourd'hui dans ce combat. On ne rejette personne quand on est dans un combat. On ne critique pas. Je vous ai déjà pris l'exemple à maintes reprises par rapport à l'armée. Je vous ai dit ceci. Quand le gouvernement s'attrape, prend nos frères pour les envoyer au nozo, on ne cherche pas à savoir si parmi eux, il y a ceux qui aiment les femmes, ceux qui aiment boire, ceux qui aiment draguer ou quoi que ce soit. Pourquoi vous, mes frères combattants, vous cherchez les poux dans la tête des autres, de vos, de vos confrères avec qui vous êtes dans le combat. Que tu sois dans le combat depuis, que tu mènes un combat indépendant depuis, que tu es mené depuis 25 ans et que tu étais seul. Aujourd'hui, tu as mené ce combat et tu as donné la haine à ces jeunes de te rejoindre dans le combat. Maintenant, aujourd'hui, qui sont dans le combat, tu dis que ça ne sert à rien. C'est toi qui connais. Ils sont nombreux depuis quelques jours. Je les observe. Vous savez, moi, généralement, j'observe. J'observe beaucoup. J'aime écouter les gens. Analyser leurs paroles. Regarder, analyser leurs paroles en fonction du contexte, du moment. Vous voyez Et je me suis posé cette question depuis quelques jours. De quel peuple, de quelle éducation de peuple parle-t-on Si on veut parler d'éducation, dans le sens que... Toi, vous et moi, nous connaissons. Comment t on éduquer un peuple qui est piétiné et étouffé Ce n'est plus le moment de ça. Le temps de ça est passé. Et d'ailleurs, c'est parce qu'on sait que le temps est passé qu'il faut passer à des nouvelles stratégies. Encourager ces jeunes qui sortent des coups forts depuis quelques jours. Encourager les je comprends. Depuis quelque temps, j'observe et j'écoute certaines personnes. Je comprends donc que depuis là, ils peuvent être parmi ceux qui recrutent les infiltrés dans le combat. Certains aînés que nous respections bien, dont on apprécie les combats, sont en train de nous sortir certains discours depuis un certain temps. Et je me pose la question de savoir, ah tiens, dans telle action que telle personne a menée à tel endroit, il n'avait rien dit par rapport à ça parce qu'il était contre, parce qu'ils sont en train de sortir leur griffe. maintenant. Il faut que, à chaque moment, nous nous asseyons, que vous vous asseyez, vous les combattants, et que vous étiez vous de faire un rapport de l'observation que vous faites de vos actions. Un rapport de vos aînés par rapport à vos actions. Est-ce que vous y pensez Vous allez peut-être me dire que non, Cathy, on n'a pas le temps. Non, vous devez avoir le temps pour ça. Parce qu'il faut à tout moment dénicher les mauvais grains, dénicher ceux dont le cœur a changé avec le temps, dénicher ceux qui ont vendu leur dignité avec le temps, parce qu'il y en a plein, et savoir comment les écarter de vous et mener votre combat. Je vous ai dit dernièrement, je vous ai dit à un certain moment que mes frères combattants, ne livrez plus vos secrets ne livrez plus vos secrets. Quand l'armée, prenez l'exemple autour de vous non. Quand l'armée, quand le gouvernement l'avait envoyé l'armée au nos, on ne vous dit jamais. C'est les Ambazoniens qui sont là, ils ne dorment pas jour et nuit, ils sont aux aguets de la voiture atterrit, ils voient le bout des chars là-bas, ils attendent leur camion là. Vous, je vous dis ne livrez plus. Vous avez vu non, vous avez vu les actions, quelques deux ou trois actions de quelques jours sinon. Ça a été fort et très fort. Je vous assure, si, que ce soit les Calibris l'autre le, le, jour à l'église, que ce soit les gars en Allemagne ce matin, s'ils avaient annoncé, la police devait être là en train de les attendre. Vrai ou faux Ils n'auraient rien, n'auront rien fait. Vous avez vu, ils ont mené tout le truc, prendre tout le temps, parce que personne ne savait. Et c'est comme ça je vous ai dit nous sommes des peuples bantous. Et dans la culture bantou, une armée ne livre pas son secret même pas à son peuple. Je vous parle vous ne comprenez pas. Quand je vous dis revenez à la racine, revenez à vos sources mes frères bantous. Vous allez me dire non, le monde évolue. Le monde évolue mais ta pas et où? On dit souvent chez les, 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 les bouddhas, je sais pas c'est quel, euh, chez les, les balessins, comme ils parlent aussi la même langue là. Je pense qu'ils disent un truc comme ça là. Tu pas, as pas de, de thinking que tu as, est où Nous évoluons avec le monde, c'est vrai. Mais tu pas de thinking, est où Ce que tu as de secret est où Je vous ai dit. Ne livrez plus. Je ne veux pas dire que vous ne communiquez pas entre vous. Non. Les gars qui ont mené les actions quelques jours, au fils du planteur Calibri, vous avez vu ils, ont, ils communiquent, non Mais ils ne livrent pas. Ils ne livrent pas. Vous avez déjà fait une lecture de notre peuple sur place au pays. Désormais, il faut savoir comment agir. Au début, j'avais apprécié. Le programme de notre frère, euh, on l'appelle encore comment Dette coloniale, c'est Dette coloniale, je pense bien. Et je me suis dit, voilà une bonne idée que ce garçon a, mais est-ce que les autres vont comprendre ce qu'il veut apporter C'est-à-dire mettre sur pied des gardes sur place qui, le moment venu, doivent intervenir. Mais que ce soit, ils jouent aussi comme des infiltrés, non Trop cool, quoi. Suprême. Bon, on a l'habitude de dire, on va bien faire. Oh, vous savez, le Cameroun est un peuple à part. Vous n'avez pas compris ça avec ces derniers temps, de après le 22, là C'est un peuple à part. Donc il faut le traiter à part. Mes chers frères combattants, traitez nos frères du Cameroun à part, d'une manière autre. D'une manière autre. Je ne veux pas trop parler à ce peuple parce que j'ai comme impression que plus on les parle, plus ils deviennent durs. Plus on les parle, on les dit sortez pour votre bien, plus ils deviennent durs. On ne sort pas. Ok. Notre frère, j'ai vu un post tout à l'heure où on disait qu'un gars de, qui travaillait avec quoi, MTN s'est ah, enfui avec 25 millions. Quelqu'un parle de 49 millions et truc comme ça. Ça n'a pas encore commencé. Vous n'avez pas idée, Camerounais, de ce qui va vous arriver. Vous n'avez pas idée. On te dit que tu dois acheter le téléphone et payer la taxe. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée de ce qui va vous arriver. Yougosian. Ces gens, ils sont en train de positionner leurs enfants dans les grandes écoles d'administration. C'est-à-dire, Les enfants vont venir vous faire, je vous ai dit ça l'autre jour, pire que ce qu'ils ont fait. Surtout que ces enfants sont, vous connaissez, des enfants qu'on paye l'école, on paye, on paye les, les concours pour eux, on paye tout. D'ailleurs, on paye le concours et ces enfants ne se présentent même pas en classe, mais ils vont sortir parmi les lauréats. Vrai ou faux C'est sous vos yeux tous les jours. Les gens vont s'asseoir sur les plateaux de télé, nous raconter les trucs qu'on connaît depuis longtemps. Ça ne nous fatigue pas, nous Camerounais. Eh, mes chers frères Camerounais, les mêmes choses que vous vivez. Quelqu'un va s'asseoir sur un plateau de télé. Il vous parle de la même chose que tu vis chaque jour. Mais on est là. Salut, Général Banco. Comment tu vas? Tu es là aujourd'hui. Salut, Paul. Un rapport, un rapport d'observation. Exactement, c'est de ça que je parle. J'ai causé avec un frère hier. J'ai fait un post hier sur mon statut où je disais, euh, je parlais, c'était une affaire un peu trop personnelle en fait. Je ne, je ne parlais même pas par rapport au combat ou à quoi que ce soit. Il s'agissait d'un truc un peu trop personnel à moi. D'ailleurs, c'était sur mon statut WhatsApp. Et j'ai été très surprise par la réaction d'un ami. Voilà ce que j'ai dit. Ne prenez pas en compte les commentaires malveillants de ces amis-là qui ne prennent aucun risque d'eux-mêmes. Mais critiquent, font tout pour critiquer les échecs des autres. J'ai fait ça, c'était à titre personnel, je vous assure. Ça n'avait rien à voir avec le combat ou quoi que ce soit. Ou je ne sais pas. Le gars est venu entrer sur ça. Oh mince. Il me dit comme quoi? Tu, tu publies les trucs comme ça, après tu vas aller te coucher pour que les enfants des gens aillent se faire arrêter et emprisonner. Je suis restée comme ça, j'étais choquée, mal. Parce que je n'avais. Écoutez, j'ai quelque chose que je dois vous dire. C'est un ami que j'ai rencontré comme ça sur Facebook dans les années en 2017, 2016, comme ça, qui me disait Ouais, vraiment, Kati, vraiment le combat. C'était un certain moment, je me suis rendue compte qu'il était plutôt contre les combattants. Il dit Vous pouvez même faire quoi Hein, les peuples camounais. oh les noirs sont des vraiment ça ne vaut pas la peine. Je lui demander qui est papa. Tu es devenu quoi Tu veux changer ta couleur une fois ou bien changer ton sang pour devenir ne plus être noir parce qu'il ne faisait que dire que les noirs vraiment ça ne vaut pas la peine ou quoi que ce soit. Il racontait des tas de trucs. Et à ce moment je lui ai dit s'il te plaît positionne-toi bien et regarde d'où tu viens. Et là alors le gars a coupé les contacts avec moi parce que je lui disais tu dois être maudit. Parce qu'il fallait que je lui dise la vérité. Parce qu'il disait, euh, c'est vrai, nous les noirs, nous sommes maudits. Je lui ai dit, c'est toi qui es maudit. Parce que tu réunis ta race en disant, les noirs sont ici. Si, si. Vraiment, les noirs, on parle. Nous, noirs ne comprennent jamais les trucs comme ça. Il s'est retiré. Il est resté tranquille. Le gars est revenu hier sur mon pot. Je ne savais même plus qu'il était pas mes amis. Je sais qu'il regarde souvent de temps en temps mes statuts. Mais je veux vous afficher après le direct ce que le gars m'a balancé. Vous allez rester, vous allez vous poser la question de savoir attendre. Et c'est comme ça que beaucoup parmi nous sommes. Vous êtes là, il est là sur la toile chaque jour. Il n'est, Non, il part dans le sens du vent, comme le caméléon. Il change en fonction de l'endroit où il se trouve c'est-à-dire si on fait un poste là oh, on a fait telle chose il va dire oh yeah aïe, aïe. de l'autre côté on fait un truc il dit que oh yeah vraiment les gars c'est là maintenant le lendemain ils changent et c'est comme ça que beaucoup parmi nous sont ils sont des je ne sais pas on appelle ça de quoi les bipolaires ils ils sont ils changent, trop changeants et c'est ça qui nous tue donc nous n'avons pas de principe je vous dis toujours ça mes frères camerounais nous n'avons pas de principe et c'est ça qui dérange. Le principe, c'est quoi Avoir une position dans la vie en fonction d'un problème ou d'une situation que tu vis et maintenir sa position. Tant qu'elle ne tue pas quelqu'un, tant qu'elle est pour le bien-être de au moins la majorité des gens avec qui tu es et que c'est juste pour la nature, tu restes dans ta position. Et c'est ça qui nous manque. Le peuple camerounais est un peuple à part. Et sans vous mentir, quand des gens me parlent d'éducation du peuple, parmi ces gens qui me viennent avec l'idée de l'histoire de l'éducation du peuple camerounais, j'en connais, qui étaient mes amis. C'est pour ça que j'ai privé la semaine dernière sur mon mur. Les gens n'ont pas compris le pourquoi. Je n'aime pas les gens qui partent et reviennent. Parce qu'il y a un adage chez nous qui dit que quand la machette dort dehors, la rouille attrape. Quand la machette dort dehors, la rouille attrape. C'est-à-dire, j'avais ces gens parmi mes amis avec qui je croyais que j'étais dans un combat à l'époque en 2017 et tout le reste. À un certain moment, ces gens se sont déconnectés de moi. Je n'ai pas compris pourquoi, mais je suis restée calme. Tout. Ça fait quelques jours que j'ai vu ces gens revenir, au moins deux ou trois comme ça. Et j'ai commencé à me poser les questions. Tiens, c'est elle qui me demande l'amitié là Really Et j'ai pris du temps. J'observe une, deux semaines. J'attends que peut-être la personne enlève, se disant que c'est l'erreur. Non, la personne reste. Je dis OK, je prends l'amitié. Mais vraiment, ces gens ne reviennent pas. En tant que ceux-là avec qui j'étais ami avant, ce n'est plus les mêmes personnes. Ils ont changé, et oui, complètement. Je dis, ils ont changé. Pourquoi nous sommes comme ça? J'ai envie de croire à un certain moment que c'est parce qu'on a faim. Oui, on a faim. Tu as faim? Tu manques de tout, des soins de santé et tout. La solution est devant toi. Tu restes tranquille. Tant que tu fais ton petit call box et que ça te parvient à avoir tes 500 francs fin de journée pour sauter le riz à tes enfants qui ne connaissent que le riz. Ou je ne sais quoi. Même la banane que les abalas malassés avant, c'était, on ne voyait pas ça comme la nourriture. C'est ça. Même ça, tu n'arrives plus à faire. Tu te dis que ta vie, ta pas est bon. Tant que tu parviens à rationner 2000 chez toi, ta pas, c'est bon. Tu ne réalises rien de ta vie. Tu ne peux rien inventer. Tu ne peux rien amener à ta communauté, à ton peuple. Tu as ton temps. Tu rationnes. Tu manges. Tu rentres. Tu as ton câble à la maison. Tu regardes tes chaînes de télé. Tu vois comment le monde évolue ailleurs. Tu es chez toi. Tu es tranquille. Dans, ta, dans la misère à côté de toi. Tu es tranquille. Est-ce que c'est ça? Bon. Pour ceux-là, qui s'asseyent on leur argent, s'en vont. Il y a des gens qui avaient mis beaucoup d'argent à Cofines. Beaucoup parmi eux sont morts d'AVC avant que Cofines ne commence à rembourser certains pourcentages. Et c'est comme ça que ça va arriver. Camerounais, vous n'avez pas idée de ce qui va vous arriver. Seuls-là, les calmes, les silencieux, silencieux face aux tueries. Voilà vos enfants qu'on viole tous les jours. Il ne se passe pas un seul jour au Cameroun sans qu'on ait violé un enfant. Intervalle 3 à 5 ans. Pour ne compter que cela. Quand il dit 3 à 5 ans, parce que c'est la partie qui me touche le plus au fond de moi. C'est comme si quelqu'un comme. Il y a dans, une de mes, dans un de mes titres, là, en graphie, où je dis Qui va nous sauver du monde et de ceux qui arrachent. Cueille le fruit sans que ce ne soit mûr. Ceux qui écoutent la chanson Langraphie et qui comprennent en quelle langue je chante vont comprendre. Ceux-là qui cueillent le fruit qui n'est pas grand, même pas mûr, qui n'est pas grand. Parce que quand tu vas sur le manguier et que c'est au moins grand avant de ne pas être mûr, c'est différent. De quand ce n'est même pas grand. Qui va sauver nos enfants des mains de ces violeurs qui cueillent des fruits qui ne sont pas grands. Je parle en tant que femme, en tant que mère. Je parle en tant que fille, en tant que féminin. C'est-à-dire, quand j'imagine m'imagine quelqu'un en train de me forcer, peut-être, dans mes 20 ans, pour me dire je veux avoir des relations sexuelles avec toi. Mais attendez. Même à cet âge d'aujourd'hui, quand quelqu'un me harcèle, la façon dont ça me fait, j'imagine un enfant de 3 ans, j'imagine un enfant de 6 mois, j'imagine un enfant de 5 ans, 8 ans, violé par un vieux père, par un homme âgé, même si c'est 20 ans, même si c'est 19 ans. Quelqu'un a dit l'autre jour, c'était ce matin, pardon, quand j'ai mis sur un commentaire de viol quelque part que si on brûle un, un seul, ça va s'arrêter. Vous convenez avec moi hein, à un certain moment dans la vie, il faut qu'on se dise les vérités, Camerounais. Hein. Pour que ça marche hein, à un certain moment au Cameroun, il faudra frapper. Quand il dit frapper, quelle que soit la personne qui viendra prendre les rôles au Cameroun, si le gars ne frappe pas, ça ne va pas marcher. Donc, si vous cherchez des gens qui vont venir s'asseoir, une personne qui va venir s'asseoir, être un béni, oui, oui, pour tout ce que vous faites, détrompez-vous. Ce n'est pas ça qui sera la solution. Ce n'est pas ça. Camerounais, je vous ai posé la question l'autre jour de savoir, partagez ce direct. Si vous pouvez, si vous voulez. Parce que c'est toujours comme ça. C'est comme parmi mes amis dont je vous dis qu'ils sont revenus. Ces gens parlaient de rééducation du peuple. Intervalle 2017-2018, j'ai éduqué le peuple. Je faisais deux directs par semaine pour éduquer ce peuple. Ceux qui me connaissaient à ce moment peuvent justifier, peuvent témoigner. Et à ce moment, il fallait éduquer. C'était le dernier moment pour éduquer le peuple. Mais depuis que le 8, le, le 8 octobre 2018 est passé, on ne peut plus parler d'éducation du peuple, mes frères. On est passé à l'étape, le higher level. Pour éduquer ce peuple aujourd'hui, Camerounais, il faut qu'on les trouve la liberté. Il faut qu'on les trouve, ils puissent trouver, avoir de quoi manger facilement. Salut Raoul. Il faut qu'ils puissent avoir de quoi manger. Il faut qu'ils aient la liberté de s'exprimer. Comment quelqu'un peut avoir mal Voilà le prêtre qui marche et qui se fait arrêter. Il marche, il se fait arrêter. Voilà Maurice Kamto chez lui jusqu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui. Et vous allez dire, il faut venir ici faire ça. Je vous ai posé la question l'autre jour. Vous qui passez le temps à dire il faut venir ici faire ça à vos combattants de la diaspora. Qu'avez-vous fait de Kamto qui est là-bas? Avez-vous il fait ça? Qu'avez-vous fait de lui? Vous n'avez pas honte. Qu'avez-vous fait de Kamto? Qui est là-bas? Avez-vous il fait ça? Il se donne pour vous. Mais qu'on Pilate? Vous allez laver les mains. Amenez-le, crucifiez-le, n'est-ce pas hum? Et jusque-là, quand les jeunes mènent les actions, quand ils sont aussi en train de réfléchir, quelle est la tactique qu'il faut mettre sur pied maintenant, vous êtes là en train de les faire comprendre que le combat qu'ils mènent est nul. Attendez. Tu veux faire quelque chose, ça te dépasse, tu te rabats sur la diaspora. Vous voulez faire vos choses, Saham. Vous parlez vous attaquer à la diaspora. Et qui est? Attendez. Quand ils veulent faire pour eux, Saham, ils sont tranquilles. Je dis bien. Même si je sais qu'ils, je n'ai pas encore vu des actions qu'ils ont fait qui n'ont pas abouti à quelque chose. Quand ces gars veulent faire quelque chose, ces gars de la diaspora, Saham, ils n'accusent pas les gens. Mm -mm. Il s'asseyent, ils réfléchissent sur les prochaines stratégies. Toi, tu assis. Tu veux faire ta chose, Saham. Je commence à dire que oh la diaspora est montée oh la diaspora est descendue nous étions dans le combat avant oh nous on a fait le ceci on a fait le cela attendez moi je pense que des grands combattants que nous connaissons si on peut les citer entre autres un comme par exemple que j'écoute aussi par moment patrice quand il s'assoit quand il s'assoit avant il aimait souvent dire, je sais que je mène ce combat, même si ça ne produit pas aujourd'hui. Demain, si je ne suis pas là, mille autres comme moi naîtront, comme Charles Atéba le disait aussi. Il disait, si aujourd'hui je meurs, je sais qu'au moins 15 Charles Atéba naîtront. Je pense que la Pyro l'avait aussi fait en certains moment. Et ils sont nés, ces combattants. Que vous, mes chers frères, vous avez fait naître. Vous avez conçu, vous avez conçu ces combattants. Vous les avez portés pendant tout votre combat. Aujourd'hui, ils sont nés et ils agissent. Mais vous êtes les premiers à vous plaindre d'eux. Vous n'aimez pas vos enfants. Vous n'aimez pas vos enfants combattants pionniers. Je vous appelle comme ça, si vous voulez. Vous qui vous réclamez pionniers. Et qu'on accepte parce qu'on sait, vous n'avez pas besoin de porter le chapeau et de montrer. Non? On sait que vous étiez là avant. On sait qu'en 2014 ou en 2015, elle a fait ceci. Avant ça, dans les années 90, elle avait fait ceci. On vous reconnaît. Mais ne portez pas le chapeau et vous le montrez du doigt comme ça. Non? Il y a des façons de le faire si vous voulez le faire. Non seulement vous montrez le chapeau du doigt. Mais vous voulez tirer sur ceux qui veulent voir ce que vous avez sous le chapeau. Parce qu'ils vous connaissent, parce qu'ils suivent vos, tra vos traces. Pourquoi vous faites ça? Le peuple camerounais est un peuple à part. Et jusqu'aujourd'hui, je tire un coup de chapeau à la basse. Qui, à tout moment, maîtrise ce peuple d'une façon ou d'une autre. Je tire un coup de chapeau à tous les combattants. Tous les combattants, ces gars qui ne dorment pas. En pleine nuit, il, saute, il a une notification dans son téléphone. Il se lève, il est assis devant l'ordinateur ou bien devant son téléphone pour causer avec, pour parler au peuple, pour transmettre le message au peuple. Mais ça passe. Pourquoi? Mm -hmm. Parce que ceux-là, les pionniers du combat, qui doivent porter les messages de leur enfant, qui leur dit, pionniers, asseyez-vous. Observez, laissez-nous faire maintenant. Vous êtes le pilier sur lequel nous sommes posés. Mais, ces combattants camerounais, vous devez comprendre. C'est pour ça que j'ai dit il faut observer. Il faut beaucoup observer. Retenez une fois pour de bon les piliers sur lesquels vous étiez posés, vous croyez être posés, c'est-à-dire ces combattants pionniers, beaucoup parmi eux ont lâché leur poste. Donc, si vous, vous amusez, vous tombez dans le trou. Je dis bien, vous étiez, ils étaient comme ça, vous étiez dessus, non Voilà. Sachez que s'ils étaient comme ça, vous étiez dessus, il y a ceux celui-ci peut-être qui est sorti, il y a un autre qui est sorti, donc vous vous retrouvez peut-être avec, euh, I don't know, something like this. Donc vous tombez. Parce qu'ils ils se sont détachés sans vous dire. Be careful, mes frères. Menez le combat là. menez ce combat jusqu'à bout. Maintenant ce combat jusqu'au bout. Ne relevez plus vos secrets. Agissez comme vous agissez depuis quelques deux ou trois jours. là. C'était bon. Gérez comme ça. Et frapper, pam, c'est ce qu'on veut. Je vous l'ai dit depuis plus de quatre mois aujourd'hui. Peut-être c'était en février, je ne sais pas trop. Plus de quatre mois même. Je vous avais dit. Ne livrez plus vos secrets. Vous ne m'avez pas écouté? Vous avez vu, à chaque fois que vous préparez, vous allez peut-être, on vient là, hein, doucement, doucement, et puis, et puis, non. Vous avez frappé fort ces derniers jours. Et c'était propre. C'était propre. Si vous aviez annoncé, eh, la police devait vous attendre. Vous ne devez même pas traverser la porte de l'église. Vous avez commencé par comment Il devait être versé là-bas. Pour le cas de. C'est pareil. Imaginez-vous que les gars soient ainsi, oh, vraiment en Allemagne. L'ambassadeur devait appeler la police sur place. Qu'il y a des gars qui vont venir nuit-nuit demain matin. Et vous devez arriver là-bas pour trouver la police. On ne veut même pas vous accepter d'entrer dans l'enceinte la, de l'ambassade pour, pour nous faire la belle décoration que vous avez faite. Et c'est comme ça. Ce que vous avez vu devant l'ambassade d'Allemagne aujourd'hui, c'est ce que nous, dans nos têtes, c'est comme ça que dans nos têtes, c'est peint, hein. Le sang de nos enfants violés, le sang de nos enfants tués, le sang de nos frères, frères et sœurs tués dans le Noso. C'est comme ça que ça est dans nos têtes. Exactement comme les gars ont peint à l'ambassade à l'Allemagne aujourd'hui. Exactement la même chose. C'est comme ça que c'est dans nos têtes. C'est pour ça que les choses se passent au Cameroun qu'on ne peut pas comprendre. On ne peut pas t'expliquer. Tu ne peux pas expliquer à quelqu'un comment les choses fonctionnent chez nous. Justement, parce que le sang tourne. Tous les jours, on tue. Tous les jours, on tue. Et devant vous, les gens vous disent que, non, tout va bien. Tout va bien. Le Cameroun va bien. D'ailleurs, le Cameroun va si bien que vous devez payer des taxes sur vos téléphones. On vous dit ça. Et vous êtes tranquille, vous allez dire, moi... Je savais et je vous dis tous les jours, Camerounais, vous êtes comment Une autre opportunité pour qu'aujourd'hui qu vous soyez sortis, c'est présenté avec l'histoire du téléphone. Vous êtes restés chez vous. Hey, Benji, Benji Tumbo, je vous assure, vous n'avez pas idée de ce qui vous, a, ce qui vous attend. Et vous, gens ne, ne se cachent pas. Ils ne se cachent pas. Yeah, ils ont mis, sous vos yeux, ils mettent leurs enfants dans les écoles d'administration qui viendront demain vous gouverner. Le lendemain, on a augmenté les taxes sur les téléphones. Vous êtes là assis. Vous êtes là assis. Depuis le 1er octobre, quelqu'un a disparu avec l'argent des petits débrouillards callboxers ceux là qui sont toi, assis là, là, que je ne marche pas moi, je ne fais pas moi la politique, je ne fais pas mon col-box. Tant que j'ai mes 500 francs pour me débrouiller pour mes enfants. C'est comme ça le Camerounais. Hein? Le Camerounais aime se débrouiller. Donc il ne veut pas vivre une vie normale. Oui, il, il enjoy sa vie normalement. Oui, il, il est fier de lui. Non, il aime se débrouiller. C'est ça qui est malheureux. Ils aiment se débrouiller. Et c'est comme ça depuis le 1er octobre, quelqu'un a fui avec vos agents dans le conquier dans on en a dit le haut plateau c'est le haut plateau le conquier vous êtes là assis, on dit marche, vous ne sortez pas pour dire que vraiment même le vol du gars, a nous fait mal, il a volé nos argent. Non, c'est rien à vous quoi vous êtes très bien, vous êtes très bien pourquoi vous volez des millions vous pauvre petit colboxeur. Vous êtes tranquille. Vous êtes tranquille chez vous. Après, les gens vont venir nous dire que oh, vous parlez comme ça, là, que les enfants des gens sortent, on, on les ramasse. C'est à cause de vous qu'ils sont ramassés. C'est à cause de vous que ces gars sont incarcérés. Je ne peux pas accuser qui que ce soit. C'est à cause de vous. Vous, ceux-là qui refusent de tenir la main ensemble et de dire on en a marre, nous tous. On subit les coupures d'électricité. On n'a pas d'eau. Le prix du riz ne fait qu'augmenter. Tout augmente. Aujourd'hui, on vous crée une taxe sur les téléphones. Mais quand même, avec le monde qui évolue, ça avance. C'est comme à l'époque, quand Mobilis venait de sortir et qu'on nous faisait les appels téléphoniques à 300 francs, 450. Mais quand même, Camerounais, nous allons. Ça va jusqu'où ce genre de choses Qu'est-ce qu'on accepte tous les jours comme ça Parce que quand je vais dire ça, elle m'a dit que, wow, elle est sur Facebook, elle parle, wow, attendez, je ne parle pas pour moi, je vous le dis tous les jours. Je ne parle pas pour moi. Si c'était pour moi, si ça dépendait que de moi, je suis tranquille, je me lève le matin. Je m'enfante dans ma cuisine, j'ouvre mon frigo, j'ai ce que je veux, je mange bien, je m'assois, je fais mes cours, quand je finis mes cours, je prends, j'attendais, ce n'est pas pour moi mes frères. Je sors ramasser quelque chose au mailbox, je rentre, j'utilise mon hand sanitizer, je, je suis tranquille, attendez, je, on va vous parler de quoi Je parle juste pour que vous essayiez de comprendre. Ce n'est pas pour moi, je ne gagne rien dans cette histoire. Et je n'ai même pas envie de gagner quelque chose. La seule chose qui m'importe ici, c'est le réveil de vos esprits. L'éveil des consciences, camerounais, réveillez-vous. Réveillez-vous comme les témoins de va Sortez-vous tous. Oh. Ils sortaient, ils sont à vos portes jusqu'aujourd'hui. Ils sortent, ils sont à vos portes chaque jour. On ne les paye pas pour ça. Sortez pour votre bonheur. Ce n'est pas pour moi. I don't care about. Ce n'est pas pour moi. C'est pour vous. C'est pour vous qui laissez vos enfants se faire vacciner. C'est pour vous qui n'avez pas l'eau. Hein, chers parents, j'ai pleuré pendant plus de deux mois. Chers parents camerounais, vous attendez quoi pour dire nous refusons le vaccin qu'on va administrer à nos enfants? Vous attendez quoi? Ça ne vous a rien dit. Les enfants sont en classe, ils se font vacciner. Pourquoi? Personne ne sait. Et même si vous savez, qu'est-ce qui vous prouve que c'est ça? Hein, Willy? Qu'est-ce qui les prouve que c'est ça? Poliomélite, je vous ai dit dernièrement. Cela a peut-être trois ou quatre mois. Je vous ai fait un direct où je vous faisais comprendre que quand on regarde dans le monde, les endroits où il y a plus de poliomyélite, c'est où on vaccine le plus. Je vis quelque part où, quand tu vois quelqu'un handicapé en général, soit il a subi une opération qui a raté, soit il a été victime d'une paralysie quelconque ou autre, pas médicale comme les trucs, je sais pas, les trucs comme l'AVC ou autre, soit il est né comme ça. C'est-à-dire que tu ne vas pas entendre parler de poliomyélite. Et ce n'est pas parce qu'on ne fait pas le vaccin contre la polio, on le fait, mais normalement. C'est-à-dire, normalement, c'est-à-dire, quand ton enfant naît, on le fait, fait suivre ses vaccins normalement jusqu'à un certain moment, c'est fini. Ça s'explique comment, chers parents. Vous savez ce que c'est que le vaccin vous savez ce que c'est que le vaccin camerounais. Le vaccin, c'est le germe de la maladie dont on vaccine la personne. Dont le germe dont on a augmenté et les anticorps et les je je sais pas. Ils ont augmenté. Ils ont donné plus de pouvoir à celui-là pour venir se mettre en garde contre ceux qui viennent et les détruire. Je veux vous expliquer ça comme ça terre à terre pour que vous puissiez comprendre. C'est-à-dire camerounais. Quand on regarde un enfant de 5 ans, on dit qu'à 5 ans, un enfant doit déjà avoir reçu peut-être ses trois vaccins de polio. Si à 5 ans, au lieu de trois vaccins de polio, qui est normal pour un enfant normal, simple, un enfant de 5 ans, l'enfant a reçu 15 ou 20, attendez vos conséquences. Ou bien je, 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 je vois la chose mal, j'explique mal. Mes frères, moi je prends les choses terre à terre. Hein. C'est-à-dire si toi tu dois consommer deux morceaux de sucre par jour. À, à, je sais pas à 10 ans ou bien à, disons à 30 ans, prenons la tranche d'âge de ceux qui écoutent. Et que au lieu de deux morceaux de sucre par jour, tu te retrouves à consommer six morceaux, six morceaux, tu auras des problèmes, vrai ou faux Bon maintenant quand on parle du vaccin, c'est autre chose encore très compliqué. Vous ne vous imaginez pas les, les conséquences dévastatrices, comme le dit notre, notre, notre Nyango Nord du Sud, sur vos enfants. Écoutez comment ça se passe. L'enfant est à la maison le dimanche. Il sort, il s'en va à l'église. On le vaccine. Il revient à la maison. Les mêmes équipes qui étaient à l'église ont continué le quartier se retrouvent à la maison, ils vaccinent. Les gens vont me dire c'est faux. Je parle de ce que j'ai vécu. Je vais vous dire quelque chose parce que il y a des gens qui venu là me dire que oh non quand on, fait, on met le vernis. Écoutez, je connais de quoi je parle. Je connais des enfants que parce que pour eux c'est comme un jeu, ils ne savent même pas ce qui se passe. On les a vaccinés à l'église, on a mis le vernis. Dès qu'on met le vernis là, on se recule. Il est face. Il passe entre les enfants, il passe se retrouver de l'autre côté. On le remet ça dans la bouche. Et quand il rentre de l'église, les mêmes équipes de vaccination contournent dans les maisons. On arrive encore chez eux. On remet ça dans la bouche de l'enfant. Le lundi ou le mardi à l'école, les mêmes équipes viennent encore mettre ça dans la bouche de l'enfant. Ça fait combien de fois en une semaine? Mes chers frères, quand on vous parle, ça entre ici, ça sort là-bas. Vous vous en foutez de vous-même. Je ne sais pas de qui vous allez vous soucier. C'est ça qui me fait mal le plus. Vous comprenez Au point où un monsieur qui allait à l'école exige à un parent que si tu mets ton enfant dans cette classe, je le vaccine. Vous avez dit que vous voulez l'éducation des enfants. Vous allez les inscrire à l'école. Ils sont en train d'aller à l'école. <laughs> à l'école où ils étaient censés être protégés. À l'école où ils y vont pour les instructions, pour apprendre à lire ABC. Ils sont là-bas. On les transforme en rats de laboratoire. Attendez. Vous vous posez la question de savoir pourquoi la tranche des enfants... De 15 à 17 ans sont bizarres de nos jours. Vous ne réfléchissez pas Ça, c'est des choses qu'on a. C'est des, des cultures qu'on a fait sur eux depuis, qui sont en train de sortir les résultats. Vous ne comprenez pas Ce n'est même pas visible pour la génération de 15 à 20 ans aujourd'hui. Vous allez voir ce qui va arriver avec la génération de nos enfants d'aujourd'hui. D'ici quelques temps, vous verrez ce qu'ils vont devenir. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Et quand vous aurez assez pleuré, vous allez craquer. L'AVC, ce sera la finale. Ce sera la finale. C'est parce que ceux qui sont morts des arrêts cardiaques et tout ne peuvent pas revenir vous expliquer quel était le nœud de leur mort. Ils, ce n'est rien parfois. Hein. Le résultat de quelque chose que tu as fait avant. Ça saute sur tes yeux, une bam, Tu restes comme ça, tu te dis waouh. Et la façon dont ça vient, tu ne parviens pas à supporter. Tu craques, tu meurs. Ah oui, Sarah, tu craques. Déborah, moi, c'est des choses que je, je me pose parfois la question de savoir où c'est parce que je tire trop mes réflexions. Je sais qu'il y a beaucoup parmi vous qui pensent aussi comme moi. Mais on se dit, ça ne doit pas continuer comme ça. Ça ne doit pas continuer comme ça. Le stratège, ça ne doit pas continuer. Ça ne doit pas continuer. Même à l'église où vous partez, on vous dit quand des situations sont inconfortables, libérez-vous des mauvaises énergies, des mauvais trucs qui sont sur vous. Ce n'est pas seulement des trucs spirituels, non, c'est des trucs physiques qu'on vit aussi. Tu ne peux pas être dans le fourneau, dans le dans le feu, ça te brûle. Tu restes dedans parce que les autres sont dedans ou bien parce que euh, tu as vu. Autre... Je ne sais pas, vous imitez qui. Voilà, Côte d'Ivoire qui est sortie derrière vous il y a cela quelques jours. Et il ne blague pas. Je dis bien, il ne blague pas. <laughs> il ne blague pas. Je n'ai pas su que le Cameroun devait être le dernier. Je ne pouvais pas m'imaginer, Camerounais. Camerounais, c'est vrai qu'impossible est devenu Camerounais. Je refuse, je me refuse toujours de croire en ça. Je me refuse de croire en ça. Et c'est qui tue C'est vous les pionniers. Les pionniers du combat qui vous asseyez aujourd'hui partout. Vous racontez comme quoi les jeunes combattants de la, de la diaspora, oh, ils veulent montrer quoi Oh, la stratégie est nulle. Oh, c'est monté, c'est descendu. Attendez, ce sont vos enfants. Calibri est l'enfant de ceux-là qui étaient avant dans le combat. Tous ceux-là qui sont sur la toile aujourd'hui à le combat parce qu'ils n'ont que ce moyen pour pouvoir le faire. Essayer de convaincre le peuple de changer de se réveiller. Vous savez pourquoi ces gens veulent que le, le peuple se réveille Vous savez pourquoi moi je suis devant le peuple J'aimerais que le peuple camerounais se réveille. Parce que la réalité de ce que moi j'ai vécu au pays et de ce que je vis aujourd'hui où je suis, vraiment, c'est le paradis et l'enfer. Je ne vais pas passer par quatre chemins. Parce que les gens vont vous dire, oh il y a des problèmes partout, il y a des problèmes politiques partout, partout, mais vraiment, la réalité. C'est le, le fossé de cette réalité vraiment C'est tellement grand que On ne mérite pas le 1 dixième De la souffrance qu'on vit chez nous Peuple camerounais vous devez comprendre Nous ne méritons pas Le 1 dixième Donc 1 sur 10 De ce qu'on vit chez nous On ne devrait même pas vivre le 1 sur 10 De ça On, on, je ne sais pas. On a en sécurité nulle part. En, 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 pardon, en sécurité nulle part. Nulle part, Camerounais. Vous avez vu la petite fille l'année dernière qui est sortie pour aller aux toilettes. On n'a plus jamais revu. On a revu le corps, je ne sais pas, dans une voiture. Non, c'était chez un laveur, un blanchisseur. Cette histoire, je ne peux jamais l'oublier de toute ma vie. C'est-à-dire, il y a des trucs comme ça avec les enfants Gabo, tout ça. C'est des trucs qui ne, ne vont jamais quitter ma mémoire. Jamais. Donc on est en sécurité nulle part, camerounais. Quand on nous dit... Que nous méritons aussi, si on veut vivre avec le monde, qui est un village planétaire, nous devons avoir dans nos maisons aussi nos toilettes pour ne plus sortir dehors et être en insécurité. Quand on dit sortir dehors, excusez-moi la tautologie, hein. pour ne plus sortir pour aller aux toilettes et être en insécurité. Vous dites que non, on est bien, je suis bien, j'ai ma maison, et il y a les toilettes dehors, c'est moderne, c'est ceci. L'enfant est sorti pour aller se mettre à l'aise, elle n'est plus jamais revenue dont l'erreur de cet enfant, c'était d'avoir eu un besoin naturel. Aller aux toilettes, je ne sais pas si elle faire les selles ou quoi. Elle n'est plus jamais revenue. Vous imaginez ce que ça fait Vous imaginez ce que ça fait Salut Nicole. Vous ne vous imaginez pas ce que ça fait D'être à la maison avec ton enfant, il dit maman, je vais à aux toilettes. Tu dis ok, vas-y. Il sort, il ne revient plus jamais. Toi, le parent, tu vas pleurer, tu vas dire si j'avais su. Je ne devais pas accepter que l'enfant parte. L'enfant devait caler les selles dans son ventre. L'enfant devait... n'est plus jamais revenu. On a combien de cas comme ça chez nous Des gens qui sortent pour aller aux toilettes, ils ne reviennent plus jamais. C'est-à-dire, ils sortent là, après on emballe seulement, on va aller déposer à la mort pour organiser les obsèques. Et puis on oublie comme ça Non. Non. Et quand on vous dit, Camerounais, vous ne méritez pas cette misère. Cette misère qui veut que vous vous retrouvez avec des toilettes à 10 km de la maison. Parce que rien n'est organisé. Il n'y a aucun plan. Moi, je connais des maisons à Yaoundé où tu dois sortir de chez toi, aller chez le voisin, te laver, mais tu payes le loyer et tout le reste. Je connais, j'en connais plein. Quand on vous dit, vous devez sortir de ça. Dites non à ça. C'est ces gens-là, si là en haut, qui s'en foutent de vous, qui a permis qu'il y ait des constructions anarchiques et que vous vous retrouvez dans, des, dans des, des, des appartements où on ne peut pas avoir les toilettes sur place. Il faut marcher, il faut. Vous êtes là. Vous trouvez que il faut venir ici faire ça. N'est-ce pas? Voilà Camto. Il est là-bas, il est là-bas avec vous. Il est venu faire ça. Vous l'avez le mieux. Vous l'avez laissé où? Nous voici le 13, Camerounais. Le 13 est en train de partir. Qu'avez-vous fait, Camerounais? Qu'avez-vous mmh. fait aujourd'hui, le 13? Mmh? Vous vous en foutez? Vous envoyez vos enfants à l'école. Ils s'en vont se faire vacciner, ce n'est pas le problème. Demain, vous allez dire: Oh, mon enfant est zinzin. L'enfant, c'est même normal. Oh, il a tué son enseignant. Oh, il a fait ceci. <laughs> on est en train de transformer vos écoles en laboratoires dont vos enfants sont comptés comme des rats de laboratoire. On fait des expériences sur et on attend les résultats dans les années à venir. Même si c'est dans 50 ans, ça ne les fait rien. Pour vous, qu'ils aient vacciné l'enfant, la période est là. Vous comprenez? C'est un truc qu'on doit. C'est pour ça qu'on te dit qu'on doit vacciner ton mmh. enfant aujourd'hui, là où tu vas, où tu pars de l'école avec l'enfant. Parce qu'on veut que dans le nombre qu'on va compter, le mmh. moment de faire le bilan, le résultat dans 30, 20 ans ou 15 ans, que le nombre soit été, été effectif, quoi. Qu'on qu ne dise pas qu'il y a des éléments, des, des rats, qu'on n'a pas eu pu appliquer le médicament sur eux pour voir parce que les parents ont refusé. Non. Vos enfants sont devenus des rats de laboratoire. Sous vos yeux. Personne des parents n'est allé défendre cette femme qui a tenu bon devant ce monsieur en disant, tu ne vaccines pas mon enfant. Les autres parents placés là-bas devaient dire la même chose, prendre leurs enfants, dire, on ne vaccine pas mon enfant. Vous partez avec vos enfants, l'école n'a qu'à fermer. Que le gouvernement, une fois dans la vie, puisse pencher un regard, lancer, jeter un regard sur ces enfants, sur ces situations qui se passent chez nous. Non. Vous êtes restés là, il y a des gens qui riaient. Il y a des gens à qui ça ne disait rien. Il y a des gens qui trouvaient que ce parent était trop bête pour pouvoir euh, demander, pour dire qu'on laisse son enfant. Elle ne veut pas faire vacciner son enfant. Ah. L'histoire des téléphones, le stratège. Moi, je n'arrive pas. Moi, je savais. Et je, je, je dis aux Camerounais chaque fois. Vous avez toutes les occasions. À chaque fois, Dieu vous donne une occasion pour vous libérer. À chaque fois qu'on dit, il y a marche. La semaine qui passée, c'était les, les résultats de l'ENAM. Vous n'avez rien fait. Avec les tueries, vous n'avez rien fait. Cette semaine, on dit, taxe sur les téléphones. Tueries, vous ne faites rien. Viol de vos enfants, vous ne faites rien. Nous voici le 13, le 13 en train de passer. Camerounais, où en êtes-vous Camerounais, vous vous aimez beaucoup j'ai partagé exprès un poste du mur d'un ami nigérien où on nous montrait l'artiste Peter de Peace Square dans la rue en train de réclamer Libérer le peuple de la misère. Vous n'avez pas compris. Nos artistes chez nous disent On ne fait pas la politique. Et La politique est assise sur vous. Vous êtes les premiers à vous plaindre, oh les doigts d'auteur sont montés, c'est descendu. Attendez. <laughs> ça se gère où et comment? Hein? Bon, quand vous pleurez là, vous vous appitoyez sur votre sort. Vous êtes incapable de soutenir ce peuple, comme le disait J. Point ce matin. J'ai aperçu son direct comme ça pendant ma pause au cours, où il disait, c'est le peuple qui vous soutient, vous, chers artistes. Mais vous abandonnez ce peuple quand ils ont besoin de vous. Soit disant, vous ne faites pas la politique. Elle va vous faire. Hein? La politique va vous faire. C'est la politique qui fait que plus de 5, 6, 7 membres d'une famille puissent réussir. Sûrement sans avoir composé à un examen de quoi Les l'école d'administration. Demain, quand leurs parents seront morts, c'est eux qui vont vous gouverner. Ça fait deux semaines que je vous parle de ça. Quand leurs parents seront morts, c'est les juniors qui viendront vous gouverner. C'est-à-dire, vous allez voir un bon. On est ok. C'est le ministre de. Euh, il est passé par les NAM en 2020, machin, machin. En telle année, il a fait ceci. Il est allé en France pour les études de ceci. Il est revenu au Cameroun. Il est nommé ministre de ceci. Il va se lever un beau matin. Et comme c'est eux qui tiennent toujours les cordes partout, il va signaler à son ami de la défense que des 100 mois, 50 chars là-bas, je ne sais pas dans quel quartier là, on me bombarde. Qu'il a bien fumé son weed, Il a bien joué, Il est bon. Il est bon, il a les nanas versées partout chez lui là. Et il appelle au téléphone son ami, il lui dit. Et comme ils sont toujours conditionnés entre eux, il lui dit par rapport à notre deal que tu connais, pour combler ça, descends-moi ouais, un petit là qui a mal parlé quelque part là-bas. Va me décimer tout son quartier. Et on va le faire sous vos yeux. Vous n'avez pas idée de ce qui va vous arriver, Cameroun. Vous n'avez pas idée. Et parce que vous ne voulez pas, parce que vous ne pouvez pas accepter que des enfants de quelqu'un que vous connaissez qui n'ont pas la tête à l'école ils sont entre deux avions réussissent à des concours des examens de l'administration les futurs dirigeants de votre pays les futurs dirigeants de votre pays On a payé pour qu'ils aient le concours de l'école. Qu'est-ce qu'ils vont produire demain? Qu'est-ce qu'ils vont produire demain? Ambassade Cameroun Bar KKI, c'est qui elle ou c'est quoi? Toi-même, tu tiens une parole de haine. La haine, c'est quoi là-dedans? Je suis en train de vous dire ceci, Camerounais. Il faut qu'on fasse très attention. Ce qui va nous arriver, bêta, ce qui ne pas dans le noson, je vous assure. Parce que chez nous, les rancœurs, les rancœurs. Vous imaginez, le bon l'on avait les dos là, non Le bon l'on avait les dos de MTN là, non Si dans la zone où il vivait, où c'est son village, où c'était comment, où son village à côté, imaginez-vous, toute sa famille devient la risée de ceux à qui il devait de l'argent. Donc, on d'une pomme, ça a explosé. Les gars vont d'abord aller se venger. Vous vous connaissez, non, Camonet, parce que quand on parle souvent, là, vous faites comme si vous ne vous reconnaissez pas. Mais quand on vous voit l'action, mmh. on comprend que non, c'est vous. Mmh? C'est-à-dire, on va d'abord gérer les règlements de compte, si ça fait boum. Il y en a tellement au Cameroun parce que trop d'injustices. Il y a tellement de règlements de compte dans les placards à cause de trop d'injustices. Camerounais, on dit ok, on ne veut pas passer par la manière, la, la violence. Sortez marcher pacifiquement. Et on vous donne le secret. Le secret c'est le nombre. Ne laissez pas 100 personnes sortir. Ne laissez pas 200 personnes sortir. Sortez nombreux en masse. Énorme. Que tout le monde, les femmes avec les bébés, on va voir comment vous arrêtez, vous mettre en cellule avec vos bébés. Tout le monde, vous n'avez pas pitié de vous. Qui aura pitié de vous à votre place Moi, Cathy, qui crie tous les jours au point où. Il faut qu'après, parfois, les directs comme ça, le lendemain, je suis obligée d'appeler mon docteur parce que quand je vous parle comme ça, c'est parce que ça a explosé. Parce qu'il y a des moments où je me dis non, je vais garder. Je vais apprendre à supporter. Je vais apprendre à garder, ne pas parler. Vous comprenez Mais ça déborde. Ça déborde. S'il vous plaît, mes frères Camerounais, réveillez-vous. Réveillez-vous du sommeil que les pluies de derniers mois n'ont pas pu vous réveiller. Réveillez-vous du sommeil que les résultats fracassants de l'ENAM n'ont pas pu vous réveiller. Réveillez-vous du sommeil que la taxe sur les téléphones n'ont pas pu vous réveiller. Réveillez-vous du sommeil que les morts de Gabou n'ont pas pu vous réveiller, Camerounais. Réveillez-vous mmh. sur le sang de nos frères qui s'en vont chaque jour dans le noso. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Vous vous rendez compte? À l'époque, on pouvait citer deux ou trois morts dans le nozo. De nos jours, quand je dis deux ou trois morts par mois, même, à un certain moment, c'était brûler les maisons. Attendez, vous vous rendez compte, Camerounais, que jusqu'à aujourd'hui, nos frères et soeurs vivent dans la forêt? Beaucoup sont au Nigeria enfuis. Vous vous rendez compte? Camerounais, qu'on ouvre la bouche, on vous dise aujourd'hui que les armes qu'on a envoyées combattre beaucoup à ram avec, c'est ça que le gouvernement camerounais, quand je dis le gouvernement camerounais, vous savez de qui je parle, prend pour mettre dans les mains de nos frères et les envoyer dans le nozo, tuer nos propres frères. C'est peut-être la, la millième fois que je vous pose la question. Camerounais, c'est normal qu'on les tue dans le nozo, c'est vrai. La question que je vous pose tous les jours, camerounais, depuis quand avez-vous déjà vu quelqu'un, un chef du village, en tant que Bantou, former ses guerriers pour aller tuer son propre peuple Vous avez déjà vu ça Je me pose cette question depuis 2016 et je vous la pose chaque jour que Dieu me donne le souffle, je vous la pose. Même ça, ça ne vous dit rien. Quand je pense que le peuple camerounais est mixé dans tous les sens, mixé dans tous les sens, et vous multipliez, multipliez le tribalisme dans tous les sens, vous apprenez à vous haïr. Comment un peuple peut-il apprendre à se haïr et pratiquer la haine Comment Comment ça se fait? Comment? Vous, mes frères, que tu sois de l'Ouest, de l'Est ou d'où, vous rencontrez des filles chaque jour qui viennent de l'Est, de l'Est ou d'où, vous formez des unions ensemble, mais vous trouvez quand même la force de vous asseoir et dire, vraiment, je n'aime pas les gens de l'Ouest. Je n'aime pas les gens du littoral. Je n'aime pas les gens du centre. Camerounais, vous faites ça. Comment Nicole, j'ai envie de dire comme toi. Je pense que je l'ai déjà dit ici, peut-être il y a cela un mois. Le mieux, c'est qu'on laisse les Camerounais tranquilles. Mais il faut qu'ils nous disent, à ah nous, moi, Cathy, je réclame, que les Camerounais disent aux combattants, laissez-nous tranquilles. Publiez sur vos murs. Laissez-nous tranquilles parce que, jusqu'à preuve de compte, Facebook est le seul endroit où on parvient vraiment à communiquer sans que ce ne soit trop privé. On peut voir les expressions de tout un chacun par des commentaires et tout le reste. Mes frères, dites aux combattants de vous laisser donc tranquilles. Là, ils comprendront que, ok, nous devons rester tranquilles. Parce que les gars d'autrui, peut-être, ils sont là et. Ils exposent leur vie comme ça. Ils ne peuvent plus jamais peut-être arriver au pays si les choses ne changent pas. Alors que ça ne vous dit rien. Mais dites-leur. Dites-leur, publiez et partagez dans les groupes. Que diaspora camerounaise, laissez-nous tranquille. Il faut le dire. Ok? Il faut le dire, moi-même là. Si vous voyez que ce que je fais ne vous intéresse pas, ça ne vous plaît pas, ça ne vous apporte rien, ça ne peut jamais rien vous aider, en, ne vous aider en rien. Dites Publier et partager partout. Transmettez les messages, même si vous ne pouvez pas passer par moi directement. Envoyez les messages à ceux qui peuvent passer par moi directement. Que, Dis à Cathy de laisser les on est tranquille. Dis à Cathy de nous laisser tranquilles. Ou bien vous qui me connaissez, écrivez-moi, dites Cathy, laisse-nous tranquilles. C'est important. C'est important. Que ces gars ne dorment pas. Vous voyez comment ces gars fonctionnent souvent. Vous voyez souvent ce que Camoua fait. Comme moi à toute heure il est, je ne sais pas si cet homme dort Calibri pareil tous ces gens tous ces gens même quand vous vous avez créé les divisions entre eux séparer les membres et tout et tout et tout fait que les gars deviennent comme ça comme ça comme ça je vous dis quelque chose si vous voyez que ça ne sert à rien parce que vous ne voulez jamais changer dites-le si c'est la peur qui fait que, ok, vous n'arrivez pas à dire vrai. Ce que les gens disent là, ce que ces gens-là disent, c'est vrai, mais on a peur. Dites-leur que vous avez peur. Ils vont trouver des stratégies pour vous aider de sortir de la peur. Nous ne sommes plus des esclaves camerounais. L'époque est passée, où nos parents ne connaissaient pas qui était le blanc. Le blanc venait les prendre et se disait que non, vraiment. Hum? Non, ce n'est plus ça. Mais nous vivons pire que l'esclavage. Nous vivons pire que l'esclavage. Quelqu'un va s'asseoir sur une chaîne de télé pour dire que, on dit que la mer est en train de maltraiter les gens au Cameroun, Aye, machin s'est monté, ils utilisent les armes pour faire quoi Alors qu'aux États-Unis, quelqu'un a tué quelqu'un avec le, le pied. C'est-à-dire, parfois, ils me posent la question que, quand ces gens-là viennent sur les chaînes de télé, là, ils parlent, quand ils rentrent chez eux, ils ont des femmes, ils ont une femme, cette femme les regarde comment et s'ils si ont des enfants, les enfants les regardent comment C'est-à-dire la honte totale, le déshonneur. Avec ça, quand tu vas parler à l'enfant à la maison, l'enfant va te respecter. Non, tu es un tueur. Tu es un destructeur. Tu es un destructeur. Comment vous pouvez venir vous asseoir, vous engager à détruire la mentalité d'un peuple Surtout quand vous savez que le phénomène dynamique fonctionne bien avec vous, c'est-à-dire vous utilisez les médias pour tuer le peuple. Vous savez que ce que vous dites en tant qu'homme, politique ou personnalité de, de, de pays influence sur la mentalité des gens, mais vous arrangez quand même à faire comprendre à un peuple. Que réclamer ta liberté, réclamer ton avoir de quoi manger, ce n'est pas normal. Je vous ai dit la dernière fois, tout cela qui suit la toile vous fait comprendre que le gouvernement qui vous opprime, qui vous tue chaque jour, qui vous étouffe chaque jour, est bien pour vous et que vous devez rester tranquille, parce que quand vous restez tranquille, c'est vous les patriotes, vous ne vous aimez pas. Ces gens ne vous aiment pas ces gens là qui viennent vous dire que ayop il faut chanter ayop il faut dire ayop ne vous aime pas ils sont assis tranquilles hein? ils croisent leurs pieds on les donne beaucoup d'argent pour, pour, vous, pour vous empoisonner les esprits hein? Et vous... ils ne vous cachent pas ces gars ne vous cachent pas quand tel ministre nous a envoyé l'argent on a partagé ma part n'est même pas sortie salut maman Salut Tracy. C'est-à-dire, on a partagé l'argent. Oh, ça ne suffit même pas. Oh, ils vous disent, ils ne cachent pas. Ces gars ne cachent pas que tel ministre nous a envoyé l'argent pour qu'on décuse vos mentalités. À travers les réseaux sociaux. Ils ne vous cachent pas, Camerounais. Ces gens ne vous cachent pas. Ils ne cachent pas le fait qu'ils soient payés pour tuer vos esprits. Pour détruire vos mentalités, pour vous cultiver du mensonge d'état. Ils ne vous cachent pas. Ils vous disent même comment on a partagé l'argent. elle n'a pas bien eu sa part. Telle a bien eu sa part. Hum? Ils vous disent ça, mais ça ne vous dit rien. Ils vous disent ça, et ils sont les premiers à vous dire que c'est ce que eux qu'on a payé pour vous tuer. Vous disent qui est vrai. Les autres, on les appelle les talibans. Et c'est eux, les tontinards, qui sont mauvais pour vous. Et vous vous acceptez. Attendez. Au moins dans la vie, vous devez savoir quel camp qu prendre, mes frères camerounais. Vous devez savoir quel camp qu prendre. C'est pour ça qu'au début de cette vidéo, je parlais de principe. Vous n'avez pas de principe. Pourquoi Qu'est-ce qui vous empêche D'avoir une position bonne pour vous, Camerounais. Faisons une chose. Je sais que, j en général, vous aimez. Chacun bien, aime bien se sentir seul dans son coin. Bien dans son coin. En général, c'est comme ça que nous sommes devenus. OK. Pensons donc à notre bonheur, chers Camerounais. Chers Camerounais, qui a ton call box et qu'on n'a pas encore fait avec ta part d'argent, pense à ton bonheur. Commence à réfléchir sur toi-même. Tu t'assois un jour comme ça quand tu rentres du travail. Tu prends ton bain, tu manges ton riz sauté ou tu bois ton tapioca et tu commences à réfléchir. Le call box que je fais ici, si, est-ce que c'est ça qui était mon rêve dans ma vie Être call boxeur, est-ce que ça a été mon rêve dans ma vie Si oui, est-ce que je gagne vraiment de ça Si oui, qu'est-ce que je fais pour mon peuple. Parce que ce que tu fais là, c'est quelque chose de normal. Un peu comme quand tu entres dans un bureau, il y a un monsieur là qui, est, qui a un salaire, il doit t'accueillir, te prendre tes informations avant que tu n'entres dans le bureau du, du boss. Bon, maintenant, lui là, c'est son travail. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de ces fonctionnaires dans, le, dans un monde évolué ont maintenant des passions qu'ils suivent. Bon, maintenant, vous, qui est fait de passion, qui avait des passions, une vocation. Et que vous ne parvenez pas à exercer dans le domaine de votre vocation. Vous pensez que vous êtes dans une société où vous vivez normalement? Non. Vous êtes des rebelles de la société. Vous êtes des rebelles égarés de cette société. Chabalo, laisse l'autre laisse là comme ça. Partage comme tu peux à ton niveau. Ils ont l'habitude de faire ça. Et demain, ils viendront se plaindre qu'on n'éduque pas le peuple. Ils viendront se plaindre demain que vous n'éduquez pas le peuple. Quand on éduque le peuple, ils ne partagent pas. C'est comme ça qu'ils sont. Ils attendent le Nja Pap. Ah, tout ce qui distrait, c'est ce qui plaît à mon peuple. Je disais tantôt, cher Camerounais, tant que tu es quelque part, ou toute ta famille, dans toute ta famille, personne n'exerce dans le domaine de sa vocation. C'est que vous avez raté, vous tous, et vous ne pouvez rien faire. Vous n'allez rien faire de constructif, je vous assure. Construire même une maison et vivre dedans, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu apportes à la vie Qu'est-ce que tu apportes à la société Ok, tu n'as pas la possibilité de le faire. Ce n'est pas tout le monde qui est fait pour le faire. Mais vous aimez apprécier les autres qui inventent, qui ont des rêves, qui veulent réaliser des choses vraies, qui veulent impacter le monde. C'est ça, non Vous aimez apprécier les grands génies de 13 ans qui ont créé ci et ça, les grands enfants qui ont, les grands génies, les grands... Et nous alors voilà nos enfants, nos jolis petits joyaux, les talents, qu'on est en train de transformer en rats de laboratoire dans les établissements. On ne vous a pas annoncé les vaccins. On vous a annoncé d'ailleurs, si on peut le dire ainsi, parce que ce qu'on m'a dit qu'on faisait l'autre jour, ce n'est pas ce qu'on avait annoncé qu'on devait faire là. L'autre là n'est pas encore commencé, c'est ça On me dit que l'autre jour, on savait, j'ai posé des questions à des amies qui sont enseignantes, six, qui ne savaient pas pourquoi on vaccinait les enfants. Elles disent, elles ne savent pas si c'est la polio ou c'est quoi, mais elles savent que c'est le lendemain. Ils m'ont dit, c'est demain que je vais arriver demander à l'école ce que c'était. Bon, mon problème, c'était de savoir si même les enseignants en classe savent le pourquoi. Quel est le vaccin qu'on administre aux enfants des gens <laughs> Ils ne connaissaient pas. Je dis... J'en ai posé à six de mes amies enseignantes. Personne d'elles ne savait quel vaccin on administrait aux enfants l'autre jour. Mais dans leurs écoles, on a administré les vaccins aux enfants. Et beaucoup parmi elles se réjouissaient que leurs enfants n'étaient pas dans la tranche d'âge qu'il fallait vacciner. <laughs> la même chose que je vous dis chaque jour, Camerounais l'individualisme. Sortez de là. Le monde est comme ça. L'Occident est comme ça. Mais même jusque-là, il vous montre. Parce que quand je vais dans la souche du peuple dans lequel je vis, les vrais, quand on dit les vrais, les vrais là, les vrais, les vrais Américains, vivent ça, vivent vivre en communauté. Vous comprenez ce que j'ai dit C'est-à-dire, tu restes chez toi, tu fais un bon petit gâteau. Tu fais, un, je ne sais pas quoi, un bon petit, mais tu toques chez ton voisin. Tu viens lui dire, voilà ce que je t'ai fait. Et il prend. Parfois, il t'invite, vous entrez. Il, il déguste ça devant toi. Chez nous, on va te dire, non, eh, on va vivre vraiment l'individualisme. C'est ça qu'ils ont mis dans vos esprits pour nous diviser tous. Et voilà qu'on est divisé. Voilà les résultats. Chez eux, ceux de la souche ne font pas ça. Ils savent que la vie en communauté, c'est une force. Parce que c'est quand vous êtes rassemblés ensemble. Quand vous êtes rassemblés, excusez-moi la tautologie, vraiment c'est grave ce mot aujourd'hui, quand vous êtes rassemblés, quand vous êtes unis, que vous êtes une force, quand il pas toquer chez son voisin pour lui apporter un gâteau, un bon mail, un bon mets de une spécialité de sa grand-mère qu'elle a faite et tout, c'est parce qu'elle sait que demain si elle crie son voisin sera le premier à sortir pour demander, il y a quoi chez le voisin? Chez nous, on doit dire non. Vraiment. Moi, j'ai fait mon truc, moi, chez moi. J'ai resté, moi, chez moi. Je n'aime pas que les voisins, là, vraiment, ils aiment trop déranger. Et les enfants, tu peux attirer les enfants des voisins. Restez chez vous, restez chez vous. C'est la misère qui nous fait faire ça, je comprends. Parce que le kilo de riz que tu as sauté chez toi ne suffit pas pour tes propres enfants. Du coup, tu ne, tu ne veux même pas que l'enfant du voisin passe à côté. Nous avons perdu tout, Camerounais. Nous avons perdu tout. Et nous pensons que c'est ça qui est la meilleure façon de vivre. Et puis, on va commencer à perpéter les méchancetés. Et, et, et tout. Et tout. Et tout. C'est-à-dire, même quand parmi nous, on dit qu'on qu on ne veut pas les gens de telle tribu. Nous-mêmes de la tribu, qu'on ne veut pas les autres. On se déteste entre nous. Au point où tu ne peux pas préparer comme ça, appeler les enfants du voisin, venez manger. C'est la misère qui fait ça. C'est la misère. Sortons de cette misère, Camerounais. Nous voici le 13 passé. Qu'as-tu fait pour libérer Qu'as-tu fait pour te libérer Ne parlons pas de Camto, ou de Mamadomota ou de tout le reste ou de Boubou. Non. Parlons de toi. Qu'as-tu fait Ouais. Voilà les Ivoiriens. <laughs> Vous allez voir ce que les Ivoiriens vont faire sous vos yeux. Vous allez voir. Vous avez vu le Mali, non? Beaucoup d'amis vont dire, oh, le Mali, on va voir comment ils vont faire après. On va voir comment ils vont faire après. <laughs> C'est-à-dire, parfois quand je vois des gens parler comme ça, moi, je sais dans ma tête en général, c'est des poltrons. Je les catégorise dans les, le, le groupe des poltrons. Et j'aimerais que ça reste ainsi, en fait. Parce que c'est ça qui a tellement fait mal à mon ami hier. Il est allé sur le poste que j'ai mis sur mon statut où je dis qu'il ne faut pas tenir compte des commentaires malveillants de ceux qui ne prennent jamais le risque pour eux-mêmes. Il ne faut pas tenir compte des commentaires malveillants, des gens qui ne peuvent pas prendre les risques pour eux-mêmes, mais savent critiquer les autres. Ça a tellement fait mal à mon pote. Hein? Ça l'a tellement fait mal. L'affaire l'a fêle, elle a fait mal. Il me dit que je ne dois pas parler comme ça. Hein, C'est ça qui fait. Quand les enfants des gens vont sortir, on va les arrêter. Je vous l'ai toujours dit. Le nombre, Valsero l'avait dit, le nombre, la force du nombre n'a jamais tort. Vous n'avez pas compris. Quand allez-vous comprendre? Vous êtes dans les maisons. Vos enfants sont violés chaque jour. Il ne se passe pas une journée sans qu'un enfant ne soit violé dans un quartier, dans nos villes au Cameroun. Il ne se passe pas une journée. Mais vous êtes là. I'm coming. Vous êtes là. Ça ne vous dit rien? Welcome back. How are you doing? Okay. Vous êtes là. C'est quand même terrible. C'est terrible. Moi, j'aimerais je, je, vraiment comprendre. Notre, on a un peuple à part, mes frères. On a un peuple à part. Et, et ce qui fait mal, c'est que j'aimerais que ceux qui étaient là avant, qui disent que c'est nous qui étions les pionniers de ce combat, et qui sont en train de dire que la diaspora ne fait rien de bon, leurs stratégies sont nulles et tout qui les disent donc à la diaspora, qui sont leurs enfants. Parce que ces enfants, ceux qui viennent après vous, dans une même idéologie, sont vos enfants. Donc vous, les grands combattants, qui étaient là avant, au lieu de critiquer la diaspora, donnez les les stratégies. donnez les donc les stratégies dont vous parlez, qui n'ont pas. Parce que vous dites que les stratégies ne sont pas bonnes. Ça veut dire que vous avez les bonnes stratégies. Ah donnez les stratégies parce que ce peuple doit être libéré coûte que coûte ce peuple doit être libéré coûte que coûte le Cameroun n'est pas une poubelle le Cameroun n'est pas un foutou le Cameroun n'est pas un foutou est-ce que vous avez bien compris le Cameroun n'est pas un foutou c'est-à-dire tous les déchets entrent on mélange tout tout sur place on mélange tout sur place, on opprime, on oppresse, on étouffe, on étouffe. Tous les Camerounais asphyxient. Les gens vont bon me dire que, oh laissez-nous, on est tranquille, on veut un pays en paix. Mm -mm. Mm -mm. Nous ne sommes pas en paix, nous sommes conscients de cela, mais nous nous mentons à nous-mêmes, Camerounais. Vous nourrissez vos enfants du mensonge. Vous, les Camerounais, vous nourrissez vos enfants du mensonge. Vous voulez que je vous explique comment <laughs> Devant vous, les choses se passent et vous connaissez les enfants. Ils voient. C'est-à-dire, quand vous êtes en train de faire les commentaires sur les résultats de l'ENA, quand vous êtes en train de faire les commentaires sur les impôts, quand vous êtes en train de faire les commentaires. Sur tout ce qui se passe chez nous, autour de nous, nos enfants écoutent. Et quand ils écoutent, ils connaissent ce qui est bien, ils savent ce qui n'est pas bien, ils connaissent. Mais quand vous acceptez ce qui n'est pas bien, c'est du mensonge. Donc, vous montez quelque chose à l'enfant, il voit, et puis vous dites que ce n'est pas ce que tu as vu. Vous nourrissez vos enfants du mensonge, camerounais. Demain, quand ils mentiront, je suis je suis occupé à abuser okay. Vous comprenez? Demain, quand ils vont mmh. mentir, vous allez dire ils sont en train de mentir. Ils vont que s'entretuer, les microbes. <laughs> vous allez dire que l'enfant est en train de mentir. Qui l'a appris à mentir? Mmh. <laughs> mmh. Vous les amenez à accepter le mensonge. On est ce qui me fait le plus mal dans ça, c'est que vécu ça à une époque mais c'était pendant l'esclavage c'était pendant l'esclavage où il fallait qu'on fouette nos parents pour qu'ils acceptent que le blanc c'est dieu pour qu'ils acceptent que le blanc c'est l'être suprême aujourd'hui on vit la même chose mais de nos propres frères de nos propres parents de nos propres de notre propre entourage notre propre entourage veut nous faire croire que la misère qu'on vit, les souffrances qu'on vit, c'est normal. Qu'on accepte. Qu'on accepte comme dans les champs de canne à sucre, on te disait que si tu ne veux pas faire, on te fouette, on te fouette, on te verse l'eau. Et si c'est grave, on te coupe la tête et tout. C'est la même chose. C'est la même chose qui se passe, non? Tu ne peux pas t'enfuir des, de, des, 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 des champs de canne à sucre. C'est la même chose que le 22, nos frères sont sortis, on les a pris, on les a mis dedans. La même chose qu'on faisait pendant l'esclavage. Mais qui le fait chez nous Nos propres frères. Mais quand même, mes frères, commissaire de police, on m'a tenu et tout le reste là, mais quand même. Quand je reste souvent comme ça, je me dis, j'ai honte. J'ai honte. J'ai vraiment honte parfois. C'est-à-dire, je vous ai dit non il nous a dit que vraiment, quand on arrive en classe et que dans une nouvelle classe, je suis dans une nouvelle classe, et on dit qu'il faut se présenter là, j'ai mal. J'ai mal parce que j'ai honte en fait. J'ai honte. Parce que surtout quand il y a les autres gars noirs en classe, c'est-à-dire nos autres frères, non les Nigériens, Ghanéens, tout ça, j'ai honte. Parce que quand tu vas te présenter ici, Camerounais, on, on te lave, on se moque de toi, parfaitement et bien. On dit, oh, chez vous, cherchez vous quand on tue les gens tous les jours. Ce n'est pas pour dire que chez eux, c'est trop bien. Mais on connaît ce qui, les combats qu'il y a chez eux, on connaît. Si ce n'était, si c'était, bon, je ne vais pas dire n'était. Si c'était ce qui se passe, peut-être à beaucoup avec beaucoup on va dire, ok, c'est des fausses extérieures. Mais vous vous entretuez -tu entre vous, camarades. Entrer, c'est à dire, quand il faut parler des de sujets du Cameroun, on a un certain moment on se perd parce que si tu veux tu focaliser sur une seule chose, tu vas pas t'en sortir. C'est un moment, ça sera comme si tu es en train d'étouffer. Tellement les problèmes sont nombreux qu'on ne peut plus se focaliser. En 2017, c'était encore bien quand je faisais mes directs en 2017, je ne souffrais pas parce que le thème était encore un peu du genre tu prends un thème, tu le développes pendant tout le temps que tu as fait sur la suite devant l'audience les, 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 et tout, et ça passe. Mais de nos jours, ce n'est plus ça. Tellement les problèmes sont accumulés qu'on ne sait pas par où. On ne peut pas se focaliser sur une seule chose. Camerounais, aujourd'hui, nous étions le 13. Mais j'ai encore observé et je me suis rendu compte qu'effectivement, depuis le 22, vous êtes rentrés, vous êtes repliés dans vos maisons et vous pissez dans vos culottes. Chaque fois qu'on vous voyez on annonce qu'il y aura match. Vous pissez sur vous. Vous pissez sur vous et c'est comme ça mm -hmm. que les urines là vont se transformer en acide un jour et vos pieds vont pourrir parce que vous, vous êtes laissé sur place. On dit sortez marchez. vous ne sortez pas et vous continuez à souffrir et vous continuez à dire vraiment vraiment le pays si vraiment je ne comprends pas tu ne comprends pas quoi ou à qui tu veux qu'on fasse comment bon on va je vais vous poser la question aussi par moment hein. Ok, tu veux donc que je fasse comment? Tu veux que je fasse comment? Vous voulez que je fasse comment? Ok, oui, Cathy, ça ne va pas vraiment. Oh, vraiment, les souffrances du pays, si, ça, il n'y a plus... Tu veux que je fasse comment? Chaque peuple doit se libérer. on on va vous dire combien de fois que personne ne viendra te sauver à ta place. Personne. Personne ne viendra te sauver. Personne. Alors, il faut que j'appelle les gens aussi. J'attends un document depuis le matin. Ils ont dit qu'ils vont m'envoyer ça. Je n'arrive pas à voir. Je dois les appeler. Là, c'est un peu trop. J'ai trop attendu. Mes frères Camerounais, vraiment. Où je suis, j'aimerais qu'on on, on, on essaye de trouver un terrain d'entente. Parce que jusqu'à preuve de contraire, je suis de ceux-là qui aiment comprendre ceux qui se plaignent à un certain moment, de, de surtout dans un combat pareil. Ok. Vous les pionniers, vous qui étiez là avant la diaspora, avant ce que la diaspora fait aujourd'hui avec euh, le, la basse et tout le reste, vous qui étiez là avant et qui vous plaignez aujourd'hui que la basse n'a rien fait. Ou bien que ce qu'ils font là, leur stratégie, vraiment, ça ne donne pas à donner quoi là Quelle est la solution Vous, vous devez essayer de comprendre que c'est vous, le pilier sur lequel ils se posent, ce sont vos enfants, c'est vous qui les avez mis au monde. Parce qu'aujourd'hui, si je suis assise devant vous, je parle, c'est parce qu'hier quelqu'un parlait. C'est parce que j'ai vu la hagne de Charlotte Bayené. Je pense. Je pense à ce monsieur. Quand je reste comme ça, je vois le combat qu'il a mené. C'est parce que nous avons l'histoire de Ougnobe et de tout le reste. C'est-à-dire, nous sommes nés d'eux. Vous, donc, qui êtes encore, puisqu'eux, ils sont partis, vous qui êtes là. Et au lieu de parler à vos enfants, de leur donner des conseils, vous partez vous asseoir aux yeux du monde pour dire comment nos stratégies, ou bien leur stratégie, je ne vais pas me mettre dedans. Leur stratégie est nulle. Quel est donc le secret, chers parents? Chers parents de la révolution, vous dites que la diaspora, ce que la diaspora fait est nul, la base est nulle, selon ce que vous dites, parce que vous avez dit et nous avons enregistré. Quelle est donc la stratégie que vous proposez Je comprends pourquoi quand ces gars posent des actions depuis un certain temps, ou bien depuis, même, depuis que ces gars sont dans des combats, nous voyons ceux qui étaient avant là en train de nous montrer qui se battaient pour le peuple, rester silencieux. Vous avez constaté ça, vous n'avez pas vu? Parce que moi, je prête trop attention aux choses. Moi, je, je réfléchis trop sur une parole que quelqu'un prononce, en général, ou bien sur un geste que quelqu'un pose à côté de moi. Ou même, un, tu clignes ton nez, jour, je réfléchis beaucoup. Et je me suis rendu compte que beaucoup de ceux-là qui se plaignent aujourd'hui, que la basse n'a rien fait, la diaspora n'a rien fait dans ce combat depuis que la diaspora fait. Moi, je croyais que bon, peut-être c'était parce qu'ils ils étaient dans leur coin, ils ne voulaient pas trop brutaliser. C'est-à-dire, même quand les gens sont en train de réfléchir sur les stratégies, ils sont en train de faire les directs, comme tout un chacun naturel, même un commentaire, généralement, ces gens ne font pas. Or, c'est eux leurs parents. C'est eux leurs parents. C'est-à-dire que si je suis en train de faire un direct comme je fais là, un des pionniers. Bon, de quelqu'un qui était avant moi et qui avait le genre d'idée que moi j'ai aujourd'hui, vient la faire, que, que beaucoup de gens connaissent, vient la faire un seul commentaire. Soit pour critiquer, soit pour donner une idée de, par rapport à ce que je dis, ou bien surtout donner une idée qu'il qu attend de quoi. Que je parle de quelque chose qui le convient, qui, qui, que lui il a l'habitude de faire, et il met un commentaire dessus. Ça galvanise. Ça amène à se mettre ensemble entre parents et enfants que je suis pour pouvoir construire quelque chose. Mais généralement, je ne vois pas les commentaires de ces gens. Et parfois, je me disais que bon, c'est parce qu'ils bon, sont dans leur grandeur et tout, il faut respecter. Mais aujourd'hui, avec ce qui sort de leur bouche, je comprends qu'au fond de ils ont mal. Ils ont mal. Mais comment quelqu'un peut être jaloux de son enfant? Je ne comprends pas. Bien au contraire, tu devrais être fier de ton enfant. Tu l'applaudis, tu le portes, pour que il puisse te relayer dans ta tâche demain quand tu seras plus là. Mais tu ne fais rien. La seule chose que tu mm -hmm. sais faire, ça aller aux yeux du monde quand tu sais que le monde t'écoute généralement, et dire ces gars-là, leur stratégie-là, c'est nul. Ils vont où avec. Pourquoi vous faites ça, Kamone? Why are you doing that? Why? 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 Est-ce que nous, vos enfants, nous méritons ça? Est-ce que nous méritons ça? Comment allons-nous nous aimer quand vous, nos parents, vous nous détestez? Quand vous nous détestez, c'est pour nous apprendre à nous détester nous-mêmes. Et comment est-ce que vous espérez que nous allons nous aimer? Eh, hey, mes chers frères, vous qui parlez d'un peuple qu'on doit éduquer, vous dites, il faut éduquer les Camerounais. C'est que la diaspora fait là, c'est zéro. Il faut éduquer. Le peuple Camerounais a besoin d'éducation. Ok, je suis là. Je suis là, Camerounais. Mes chers frères, mes chers aînés. Venez donc pour voir vos enfants qui ont pris le relais dont le peuple écoute par moments ceux-là qui transmettent des messages et qui se font écouter. Donnez-les les stratégies pour mettre sur pied vos plans. Puisque leurs plans ont échoué, vous le dites, selon vous, pardon, puisque leurs plans ont échoué selon vous, donnez-leur le plan qu'il faut mettre sur pied. Je pense que comme ça, les choses iront mieux. Mmh? Mes chers frères, je dois m'apprêter. Je retourne à mon cours. Donc, que Dieu vous garde. Voici le 13 qui est passé. John, on va le mardi prochain. Les messages vont circuler. Vous allez rester. On va fuir avec vos agents. Vous allez rester. On va encore mentir les gens à l'ENA. Vous allez rester. Où on a mis composé l'autre quand on... C'est vous qui savez. On va encore vacciner vos enfants. Vous allez rester. OK. Quand ils nous auront exterminés. Camerounais, vous ne voyez pas ce qui va vous arriver. C'est ça qui me fait le plus mal. Vous ne voyez pas ce qui va vous arriver. Tant que vous restez comme ça, vous ne voyez pas. Ceux qui me suivent en 2017, je les avais transmis un message de la vision que j'ai eue du Cameroun. Ça se passe exactement comme j'avais expliqué. Ils peuvent témoigner. Exactement. Exactement. Et c'est ça qui me fait mal. Exactement. Dans cette vision, je me voyais en train de voir ce qui se passe se passer. Et je parlais, personne ne m'écoutait. Je parlais, ça entrait ici, ça sortait là-bas. Et ceux qui avaient au moins compris étaient aussi enlevés, en, moi, en train de dire non, n'allez pas là-bas. Non, ne faites pas comme ça. Mais. Tout était allé dans tous les sens. Et je vous ai dit quel est le secret. Tant que vous restez dans le silence, nous allons subir. Si vous criez, on a mal, on a faim, on n'a pas d'eau, on n'a pas de lumière. Nous vivons la pauvreté et la misère dans des quartiers qui puent. Vous allez voir ce qui va se passer. Mes frères, portez-vous bien. D'ici à là, on se reprend dès que possible. J'espère que les nouvelles vont s'améliorer. Mais je doute fort tant que nous restons comme nous restons. Les nouvelles iront de mal en pire. On va encore plus violer nos enfants. Nous allons plus subir d'injustices, surtout nous les femmes. Encore une fois de plus, nous les femmes. Quelqu'un m'a dit hier, est-ce que tu sais que la mère de... où oui, a dit que la mère de qui c'était les femmes. Je lui ai dit ah parce que t'ai dit que tu es un peu repisseur dans le pantalon. Tu me dis que l'armée de quelqu'un était les femmes. Or, quand je suis en train de faire ce que je peux faire dans mon, à mon niveau pour éveiller les conscients, pour réveiller le peuple camerounais, c'est toi qui viens me combattre en disant, ce que tu fais là ne va amener à rien. Les Camerounais ne peuvent jamais comprendre. Et quand je l'ai pris comme ça, le gars me dit, comme quoi, est-ce que tu sais que l'armée, parce que je lui ai dit, tu es un poltron. Tu es un poltron, garçon. Tu es un poltron. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Je vous ai toujours dit, Camerounais, aucune femme ne résiste devant un homme, face à un homme vaillant. Camerounais, soyez tous vaillants. Vous allez voir, vos problèmes, quand vous êtes dans les groupes en train de chercher les coachs de développement personnel sur comment gérer ma femme, comment gérer, me faire respecter par ma femme, ma, avant de dire un mot, ma femme elle a dit trop 50 mots là, ça va finir. C'est-à-dire, quand une femme sait qu'elle a un homme assis, qui a des couilles bien en place, il y a des choses qu'elle ne peut pas faire. Ça casse. Ça la met à sa place. Quelle que soit la place qu'elle a dans la société, elle reconnaît sa place près de son homme qui est le baoba. Vrai ou faux Peut-être quand je parle là, vous voyez ça, vous ne comprenez pas. Aucune femme. Aucune femme ne fait le bras de fer avec un homme qui a les couilles en place, ok Portez-vous bien mes frères et sœurs. Que Dieu vous garde et qu'on se retrouve la prochaine fois. Qu'on se retrouve la prochaine fois. J'espère que au moins le peuple camerounais, ceux-là qui viens ici faire ça, auront aidé notre notre père à sortir de, de chez lui. Et les bibou sont de sortie de où ils se trouvent et nos autres, nos autres frères qu'on a arrêtés depuis le 22. J'espère qu'ils auront aidé à ce qu'ils sortent. Parce qu'on va beau faire tout ce qu'on a à faire. Il faut que ces gens sortent. Tant qu'ils ne sortent pas. Et que nous restons chez nous. attendez, neige j'ai toujours mal. Vous dormez comment Comment est-ce que tu dors quand tu sais que ton voisin t'a appelé le matin du jour pour dire sortons ensemble Tu as refusé. Il est sorti, on l'a arrêté. Tu es couché chez toi, tu dors tranquillement. Mais vous êtes méchant. Ça, c'est la méchance. C'est et simple. C'est-à-dire, on l'a arrêté, oui. Ça ne t'a pas réveillé l'esprit que le jour-là, je sois avec tout le quartier pour aller pour qu'on libère mon frère. Parce que si vous sortez, vous tous nombreux, on va les libérer. Soit on vous met ensemble, vous tous, et tout le Cameroun se retrouve en cellule ou en prison. Et c'est ce qui est impossible. Et le peuple sera libéré, Cameroun. Moi, je ne sais pas comment vous comprenez les choses. Portez-vous bien, les gars. Portez-vous bien.